C'est l'heure! Ah ouais. C'est fermé, Guess, bébé. J'ai l'impression que je me suis un peu fait niquer là, non? Le spot, putain! Ouais, je sais, j'en peux plus, c'est un troisième œil. En fait, c'est un shooter indigestif. Dites-vous qu'on est en train de. Je vous remontre une dernière fois. Et notre ferry. Oh là 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 là, j'avais oublié. Dans mes cartes bleues, ma vie m'a dit. Bon bah, je profite un peu du soleil pour faire sécher mon maillot de bain d'hier qui n'a pas séché pendant. Les pieds! Mais c'est tellement trop la vue que j'ai! Oh non! Très grande dame! Vas-y, pose bébé, c'est bien! Vas-y! Oh, les mignons, ta putain de puce! Ça fait comme moi maintenant, ça met des cordons autour du cou avec le téléphone! Ah, mais on adore les escalators! On n'en a rien à foutre, il me rit au nez! C'est lui, il est. Sérieux, Nicolas! Mon dieu! Ah, Nicolas! Mon dieu! Oh là là! Mon dieu, la dégaine! Et voilà, on a retrouvé c'est celui qui travaille à l'hôtel où on va. T'es con! Et on découvre tout de suite notre nouvel hôtel. Oh my god! Mais regardez-moi cette vue, s'il vous plaît. Notre petite chambre comme ça, rien que pour nous. La vue est quand même assez incroyable. Hein. Je vais vous montrer aussi l'intérieur de la chambre. Au milieu de la montagne, mais oh, c'est trop sympa, franchement. Petite salle de bain en terre cuite. Nous, vous voyez, il n'y a personne. On est vraiment totalement seul. Et le must du must, quand même, les puces. Oh my god, c'est cette piste. Ici à l'hôtel, on est vraiment seul, donc ça fait bizarre. Bon, là on attend une voiture, on a loué une voiture en direct de notre caisse. Ah, ça, c'est la liberté, l'autosonne sur les routes, c'est incroyable. On conduit avec une vue de malade mental. Donc, franchement, il y a moyen, je pense, de tout faire et tout. Ça va être trop. On vient d'arriver, ça y est, les loulous dans la ville. Elle est trop mimes, tout est miniaturisme encore. Hein, c'est beaucoup trop tôt. Franchement, c'est le meilleur moment. Restaurant traditionnel, nourriture grecque, donc c'est parfait. Oh là là, toi qui rêvais de manger de la nourriture un peu grecque, pita et compagnie. Et on arrive à un petit club de plage. Elle doit être bonne quand même. Alerte, alerte, je sais pas si vous voyez. Regardez. Alors, faut toujours qu'on nous casse les bonbons, nous, quand on veut se baigner. J'en ai jamais vu de ma vie, comme par hasard, il y en a un et en plus on l'a perdu, on sait plus où il est. Donc manquerait plus qu'on marche dessus pour qu'on se fasse mal aux pieds. C'est très compliqué ça à trouver. Mais j'ai fini, je veux plus y aller. Oh non.